Qu'est-ce qui se passe? Mais t'as pas vu les coquilles d'Iowa? Mais on est beau pour l'enfer! La damnation! C'est la fin du monde! Quoi? Ah, foutoir du décompte! Mais t'as déjà oublié Bouche Algore, toi, hein? Mais non, abruti! Mais quoi? Et tu parles pas comme ça à ton père, hein? Mais t'as pas vu les candidats en tête? Ah ouais! Ah! Yeah! Mais ouais, mais c'est pas possible, enfin, pas à moi! Ça peut pas m'arriver à moi! Tu pourrais quand même être un peu plus ouvert. Ouvert? Mais ces gens, ils sont contre nature, bordel! Mais tu peux pas dire ça! Oh ta gueule, toi, t'en as déjà eu plein dans ton gouvernement et regarde où ça t'a mené, hein! Mais t'es pas bien! De toute façon, je le dis clairement, si mon fils est déjà comme ça, je le bute direct, rien à foutre. Tu as raison, il faut les foutre trop! Même lui, qui en héberge encore des tonnes, il est d'accord avec moi. Je vais pas avoir de chance. Wow, t'envisages quand même pas de... De le faire éliminer? Mais si! Attends, c'est pas parce qu'il est gay que... Mais non, pas lui! Je parle de Bernie, hein! C'est un putain de communiste, hein! C'est la fin pour moi, hein! Pas mieux! Hé, hey, France! C'est quoi ce bordel sur les congés suite au décès d'un enfant? Alors, tu vas rire. Si, je t'assure, en fait, c'est les Français qui ont mal compris. On est pour le décès des enfants, on est absolument pas contre. Un texte. Mais t'avais toi? Ah, excuse-moi. On me dit que c'est une erreur collective. Nous ne sommes bien sûr pas pour le décès des enfants, mais pour le congé des enfants décédés. Attends, je m'assois. Oui, parce que tu vois, quand on meurt, on a besoin de se reposer. Je vais le tuer. Qu'est-ce qui se passe? Je préfère pas répéter, je vais l'exploser. Ah, tu tombes bien, j'expliquais que la ministre du Travail avait fait une erreur collective et que nous étions absolument pas contre le congé des enfants décédés. Tu veux dire le congé après le décès d'un enfant? Ah, oui, alors, ce sont mes députés qui sont complètement cons et qui n'ont pas compris les directives pourtant totalement obscures du ministère du Travail. Pourquoi? Ils n'ont pas fait ce qu'on leur a dit? Si, mais c'est pour ça qu'ils sont complètement cons. Waouh, et tu leur as fait signer un truc comme quoi ils doivent respecter les consignes de vote? Que la discussion, c'était avant, au sein du groupe, et qu'après, on voyait qu'une seule tête? Si, mais pas là. Est-ce qu'ils ont lu l'amendement? Pourquoi c'est obligatoire? Mais pour le législateur, c'est un peu utile, bordel! Il fait les lois qui vont s'appliquer! Mais on ne dit jamais rien, moi! Je croyais qu'il fallait dire oui à tout! Mais c'est la base du parlementarisme, on discute des tests à plusieurs! Non, mais en fait, je vais dire que c'est les Français qui sont débiles, et qu'en fait, on avait prévu de le rejeter pour en adopter un autre qui prévoit plus de jours de congé pour les enfants morts. Le congé après le décès d'un enfant. Ah ouais, je me cours toujours, moi, c'est pas grave. De toute façon, ils sont morts, ils s'en foutent des vacances. Dégage-les de ma vue, je vais finir par lui faire du mal, je te jure!